par son maître mot, la politique aux politiciens, les études aux étudiants, le professeur Pierre Kassengédia, directeur général de l'ISTA, a dénoncé l'instrumentalisation des étudiants par des politiques ou des fins égoïstes. Au cours d'un point de presse qu'il a tenu, le directeur général de l'ISTA a invité les politiques à ne pas considérer son institution académique comme une pépinière des manifestants, des mouvements, des protestations, mais plutôt un lieu de savoir qui forme et dote le pays des futurs cadres bien formés et pétris des valeurs républicaines. Dans un message adressé aux étudiants de l'Institut supérieur de techniques appliquées et d'autres institutions d'enseignement supérieur universitaire, le professeur docteur Pierre Kassengédia est monté au créneau pour dénoncer l'instrumentalisation des étudiants pour des fins égoïstes par des acteurs politiques congolais. Au cours d'un point de presse, il a tenu à rappeler que seules les études devraient préoccuper tout étudiant sérieux en cette période assez particulière due à la COVID-19 et au programme de rattrapage des cours très réduits. Tout en saluant la tenue des États généraux de l'ESU clôturée mardi à Lubumbashi, Pierre Kassengédia a aussi lancé un message vibrant en direction des politiciens en leur signifiant que son institution, l'ISTA, n'est pas une pépinière où il devrait puiser des manifestants à chaque fois qu'il y a des mouvements, des protestations. Pendant cette période de Covid-19, une période qui nous exige le respect de certaines règles, mais aussi une période pendant laquelle l'enseignement a été un peu difficile pour nous. Le temps qui nous reste pour la fermeture de cette année académique est court. Je voudrais vraiment que nos étudiants se focalisent plus sur leurs études, de façon à améliorer leur rendement pour cette année. Je voudrais profiter de cette occasion pour dire aux étudiants, faire la politique, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais vous devez consacrer plus de temps pour vos études, pour que vous soyez des têtes bien faites et bien pleines. Pour que le moment venu, lorsque vous allez faire la politique, vous soyez des véritables politiciens, vous ne soyez pas du marche-pied pour les autres. Je voudrais aussi attirer votre attention. Pendant cette période, où son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République, est en train de fournir des efforts pour l'amélioration de la vie des étudiants. Vous, les étudiants, vous ne devez pas être là pour mener une force contraire. Quant aux étudiants qui nourrissent des ambitions politiques, les DG de l'ISTA recommandent à ces derniers de se faire d'abord une tête bien faite avant de se lancer dans cette carrière, sans oublier que la plupart des enfants des politiciens sont tous aux études en Occident. Une communication qui intervient au moment où des manifestations sont programmées à Kinshasa et à l'intérieur du pays par quelques mouvements et partis politiques.